Bonjour les amoureux des plantes sauvages comestibles et de la permaculture. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une plante de printemps qui dure très longtemps cette année, puisqu'on est tout début mai et elle est encore là. Donc, je vais vous la présenter. Voilà, alors il s'agit du coucou, enfin, c'est son nom commun. Je vous mettrai son nom. Alors, j'essaye de faire le point en même temps que je vous parle. Voilà donc le coucou, comment le reconnaître? Donc vous voyez une petite fleur jaune en forme de tube avec une corolle, donc c'est les sépales qui sont attachés les uns aux autres. Et puis des feuilles, donc je vais voir de plus près, des feuilles un peu spatulées et un peu étroites au niveau de la tige. Une feuille gaufrée. Et je vais en récolter un petit bout. Cette plante intéressante. Un petit goût. Alors, bizarrement, ça tendrait pas au niveau de la prime verte du coucou. À ce genre de saveur, en fait, il s'agit d'une saveur légèrement anisée. Alors, moi, ce que j'aime le plus, je vais vous remontrer la plante. Ce que j'aime le plus, donc, c'est manger ça, les petites fleurs de coucou. Hop, ah, j'ai tout arraché là. Hop, hop. Et ça, cet hiver, je m'en suis, enfin, ce début de printemps, je m'en suis régalé. Et en fait, ces petites fleurs, alors celle-là, elle a été pollinisée. Allez, je lui laisse sa chance. Hop. Celle-là aussi, et c'est vrai que c'est un peu tard en fait. Voilà. Donc ces petites fleurs là, cette petite fleur, en fait c'est très très sucré. Et j'ai découvert tout ce printemps qu'en fait on pouvait les mettre, enfin je savais qu'on pouvait les manger bien sûr, mais surtout j'ai découvert à quel point elles étaient savoureuses en fait. En fait, en les mettant chauffer, pas cuire, hein, chauffer sur un plat chaud, une omelette, un riz. J'ai fait un riz avec des olives vertes, un œuf en omelette. Bon, moi, je les aime pas trop cuites. Et donc, en rajoutant ces fleurs de coucou, ça donne un goût extraordinaire. Voilà pour ma petite présentation du coucou et je vous souhaite des bonnes récoltes. N'oubliez pas de liker, ça permettra de faire venir plus de monde, de partager, de vous abonner pour ne rien louper. Au revoir, bye bye!